C'était le monde d'avant, celui où le Carré Curial vibre chaque week-end, où les terrasses se remplissent. Mais depuis bientôt un an, elles sont vides, les discothèques totalement à l'arrêt. Le seul répit, l'ouverture accordée au bar du 2 juin à fin octobre. Elle aura permis à l'équipe à la tête des 4 établissements du Carré Curial de réaliser seulement 8,5% de son chiffre d'affaires annuel. Quand on nous parlait du mois de septembre, on voyait ça très loin. Derrière, ça a été le mois de décembre et puis là c'est l'année 2021. Ouais, c'est très long. On a profité de ces fermetures pour faire des travaux, pour relancer l'activité économique, en plus de notre région. Déjà, le monde de la nuit était très éprouvé par différentes mesures, comme la loi anti-fumeur, qui est bien, comme aussi certains contrôles, etc. Donc il y avait et puis l'ouverture de certains bars à bière en périphérie, donc il y avait une diminution de l'activité discothèque, je pense de 20 à 30%, c'est les chiffres de la SACEM. Donc nous, on a l'avantage d'être en centre-ville, donc il y aura toujours une activité étudiante. Il aura fallu de longs mois pour que le système d'aide s'aligne sur les besoins du secteur et se simplifie. Pour y voir plus clair, les professionnels se font accompagner à ce sujet par un avocat. Sur les 600 000 euros de frais fixes annuels, 200 000 euros seulement ont été pris en charge. Les 45 salariés bénéficient du chômage partiel et 300 000 euros de prêts garantis par l'État ont aussi été souscrits. Oui, parce que déjà nous, on n'a pas l'habitude de faire des dossiers comme ça. Et donc il y a eu le premier confinement, c'était un volet 1, volet 2, donc il fallait pas tant dépasser tant de chiffre d'affaires, pas tant d'employés. Si on fait des bénéfices, on n'a pas le droit. Après, il y a eu un nouveau décret qui est sorti mois de juin pour les 15 000 euros par établissement, sauf que c'était 15 000 euros par entreprise, et nous, dans notre cas, en fait, c'est une entreprise qui chapeaute 3 fonds de commerce. Après, il y a eu le décret de décembre, les 20%. Ça permet de tenir l'établissement fermé. Plus, n'oublions pas le chômage partiel qui fait du bien aussi. Donc voilà. Après, il y a eu l'aide de la région sur l'investissement et il y a aussi l'aide de la mairie. L'équipe mise maintenant sur la vaccination pour espérer rouvrir enfin ses discothèques. Pour l'heure, aucune date d'ouverture n'est annoncée, le rideau reste fermé.